Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Bah, il y a le rosé, voilà. On s'en doutait. Il y avait des screens où on voyait clairement, hein, faut pas être con, faut être né de la dernière pluie. Ou sinon, Temiro, je sais pas. Mais en tout cas, c'est de la bonne. On a les persos clés, hein, de super qui ont débarqué. Et ça commence à faire un petit set intéressant là de personnages. Alors oui, il y a plein de gens qui vont dire, ah oui, mais bon, en même temps, c'est chiant parce qu'il n'y a pas tous les persos, il n'y a pas gna. Bon, on peut pas tout avoir, c'est Fighters. Si ça se trouve, il y aura peut-être des persos en plus tard, enfin, on n'en sait rien. Hein? On est quand même à quoi, si je dis pas de conneries, à 40, voilà, 40 jours à peu près. De la sortie officielle. Bon, après, qu'est-ce qu'on appelle officiel? Voilà, vous-même, vous savez qu'on peut avoir les jeux un petit peu avant. Enfin bon, les connaisseurs savent. Namco, Bandai, ils sont chauds là. Ils lâchent plein de trucs, plein de petites news croustillantes. Donc, je pense qu'il peut y en avoir encore. Et voilà, vous voyez en plus les persos là, donc ils commencent à avoir un bon petit paquet, comme je disais. Bon, bah, le Goku, Vegeta, Gohan, Frieza, Cell, Buu, Trunks, Bico, Piccolo. Le crâne chauve, c'est 18, c'est 16. Et oui, et le truc, vous voyez, on voit aussi c'est 21. Effectivement, moi je pense clairement que c'est 21 sera jouable. Il n'y a pas de doute là-dessus, pourquoi elle serait pas jouable. Bref, Yamcha, Tenshinhan, bon ben beaucoup Blue machin, Nappa, Ginyu, Buu, Gotrunks, Gohan, Vegeta. Et les trois dont on parle aujourd'hui, mais effectivement, enfin, il y a eu beaucoup de news très très rapide, hein, je trouve. D'un coup comme ça, là, il y a eu le Gotrunks, il y a eu le Gohan aussi à quelques jours d'intervalle, si je me souviens bien. Et puis là, voilà, encore une fois, peut-être quoi, une semaine après, bam, dans notre gueule, trois nouveaux persos dévoilés. Les mecs sont chauds, quoi. Voilà, c'est Noël en avance. Et puis voilà, donc on aura l'occasion de tester la bêta ouverte, hein, enfin je crois pour ceux qui ont précommandé, blablabla. Ça reste une ouverte. Bon allez, moi je vous dis bah plus quoi. Allez, peace.